Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la 18ème partie sur l'LSP de Spyro 3 Year of the Dragon sur PlayStation 1. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait le niveau La Mine des Dinosaures et nous avons donc débloqué le niveau de la sorcière. Et d'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire le boss final, c'est parti. Alors au niveau de ma caméra, ça a l'air d'aller. Donc on va pouvoir tout de suite se lancer. Et oui, ça y est, donc la sorcière, le boss final du jeu, donc la voici. Donc cette sorcière, alors le but. On va bouger, voilà. Alors vous voyez, il y a des ballons là qui arrivent dans le fond. Vous voyez, il y a des canons qui arrivent, des moutons. Alors la sorcière, elle essaie de me charger, voilà, avec sa baguette magique. Et donc le but, donc c'est l'agent neuf qui va péter les ballons. Et ils vont faire donc tomber ces canons et moi je pourrais monter dessus pour tuer la sorcière. Oula, attention. Bah, sachant que la sorcière voilà, dispose de trois pouvoirs, donc voilà, le pouvoir bleu qui me balance des boules électriques, c'est un peu comme Gulp lors de Spyro 2. Avec le pouvoir orange, elle nous balance une boule de feu. Et le pouvoir vert, c'est qu'elle nous court après. Donc là voilà, donc les canons, donc j'ai 10 balles pour essayer de la tuer. Voilà, c'est pas évident, mais on peut toujours y arriver. Ah ça y est, la première phase est déjà terminée. Donc là vous voyez, il y a d'autres canons qui arrivent. Oh là 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 là, voilà, on reste calme surtout. Putain, j'ignorais qu'il y avait encore un canon là. Oh là 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 là. Ok, c'est pas mal. Donc on va prendre ce canon là. Ok, on va éviter de se faire toucher car si on se fait toucher, on perd le canon. Hein. Non! Oh punaise, saleté. Bien joué. Oh là 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 là. Allez, viens ici. Donc voilà, le problème de ce canon-là, c'est que le canon... Oh là là. Voilà, c'est que le canon classique, il ne peut pas bouger alors que celui-là, il bouge, donc c'est déjà plus pratique. Oh mince. Allez, vas-y, agent 9. Envoie-moi les canons. Oh, nickel. Alors là, j'ai pas sauté tout de suite, hein. C'est juste que là, la phase 2 est terminée, donc on passe à la phase 3. Ouh là 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 là. Ok. Voilà, surtout, on reste calme. Ah, je croyais que le jeu allait bugger, mais non, c'est bon. Donc là, voilà, on a des espèces de scoops volantes maintenant. Voilà, et maintenant, on va pouvoir la tuer. D'accord. En douille, c'est pas grave. Ouh là 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 là. Elle monte dessus, voilà. Et là au moins c'est que le... Voilà. Ce canon là il a fini. Oh là là. On va y aller tranquillement. Oh c'est pas vrai, mais qu'il est bête. Je peux pas mettre 10 ans pour tuer la sorcière quoi, c'est bon. C'est pas un boss qui est dur, hein, franchement. Mais putain, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Oh là là, c'est honteux ce que je fais, c'est honteux. C'est honteux. Oh là 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 là. Eh, tu vas te calmer, hein, la sorcière là. D'accord, complètement raté, mais c'est pas grave. Voilà, alors on peut aussi s'envoler, hein. Je l'ai pas montré, mais voilà, on peut aussi s'envoler et essayer de péter les autres ballons. Mais c'est pas chose aisée, hein, de péter les autres ballons. Olé, c'est bon. Et viens là. Et ici. Voilà, très bien. Ok, allez, encore un coup, puis c'est bon. Ok, parfait. Et voilà. C'est fini pour la sorcière, nickel. Et on libère Georges. Salut. Et ben voilà. Mais le jeu n'est pas terminé encore. Car voyez. Et oui, la sorcière n'est pas encore morte. Et des nouvelles cinématiques. Déjà vues.
sauver les œufs de dragon et rétablir la paix dans le monde perdu des dragons. Quels sont tes projets maintenant? Passer des vacances sur les rivages du dragon, peut-être? Quel comédien tu fais parfois, Bentley. Tu sais, je dois trouver le reste des œufs. De plus, Chasseur a encore disparu. Donc je dois m'assurer qu'il n'est pas en danger. Tu ne l'aurais pas vu? Moi? Non. Mais ne t'inquiète surtout pas. Si je le rencontre, je ne manquerai pas de te le faire savoir immédiatement. Et oui, donc déjà vu parce que ça rappelle un peu la cinématique de la fin de Spirou 1. Un visage familier. C'est drôle, Spirou. J'ai réglé les portails d'Anallar pour arriver au monde du dragon, mais bizarrement, j'ai atterri ici. Peut-être que mes tables de coordination sont trop vieilles. Quoi? 2000 ans? C'est pour ça que le livre a été donné. Alors, maintenant que tu as fini de sauver ce monde à nouveau, est-ce que tu viendras me voir à Valar? Bien sûr, Elora. Mais je dois encore trouver le reste des œufs. Et Chasseur a encore disparu. Tu as bien dit Chasseur? Eh, mais je peux t'aider. Je viens juste de le voir s'éclipser avec... Agent Neuf, n'est-ce pas un rhino que je vois là-bas dans ces buissons? Un rhino? Ouh, il est à moi. Tu viens te battre, rhino de pacotille? Viens goûter de mon laser. Allons, sors de ton trou. Je suis sûr que Chasseur est en de bonnes mains. Je veux dire, je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Promets-moi de venir bientôt à Valar, ok? Et oui, Laura, c'est la seule fois qu'on la voit dans ce Spyro 3. Et puis à Valar, je ne sais pas si je reviendrai, car Spyro 2, je l'ai déjà fait. Allez, Billy dans le mur. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas taquiner cet élan? C'était l'idée, Billy. C'est vrai, ça, Bélé? Ah, je veux dire! Un moment, Bélé. Spiro, ravi de te voir. Salut, Sheila. T'aurais pas vu Chasseur? Je ne trouve nulle part. Oh, désolé, Spiro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas dire leur secret. Leur? Je ne t'ai rien dit. Oh non. Et si, mon cher Spiro, un noble guerrier de moins? Malheureusement. C'est triste à voir, Spark. Un autre malheureux guerrier est victime de la maladie d'Amo. Je peux pas voir ça. Enfin, je suppose qu'on devra trouver le reste des œufs sans lui. Allons, Spiro. Repose-toi un peu. Admire le spectacle. Eh oui. Mais t'inquiète pas, Spiro, toi aussi, tu tomberas amoureux. Et donc voilà les crédits qui reprend justement les crédits de Spiro 1, hein, d'ailleurs. Ça, ils n'ont pas changé. C'est en plus la même musique, hein, si vous écoutez bien. C'est même la même musique des crédits de Spiro 1. Avec la même police d'écriture et tout, moi je trouve ça génial. Et la nostalgie, ça marchera toujours, comme je dis. Voilà. Alors vous inquiétez pas pour le chasseur, hein, même s'il est tombé amoureux de Bianca, ces missions seront toujours valides, hein, vous inquiétez pas. Parce que si c'est le cas, on peut même plus récupérer le reste des œufs, c'est n'importe quoi. Donc chasseur sera toujours là pour nous, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon bah écoutez, je pense, parce que là le let's play n'est pas encore terminé, hein, il y a encore des petites choses à faire. Comme a dit Spiro, on doit encore récupérer le reste des œufs. Donc là on est à 147 œufs, donc il nous manque encore 3 à récupérer. Sachant qu'il y en a un à récupérer donc dans le niveau de Sparks, plus 2 autres à récupérer. Et en plus vous l'avez vu, donc la sorcière n'est pas encore tout à fait finie. Ah, puisqu'on a vu son bras sortir de la lave. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Allez, je vous laisse avec les crédits. Et je vous reprends dès que les crédits seront terminés.
Et voilà, en plus ils font même un petit peu de pub pour eux en allant sur leur site d'Insomniac Games. Bon, même là, si c'est plus Insomniac qui fait les Spyro, mais bon, passons. Alors maintenant que la sorcière a été vaincue, nous avons autre chose à faire. Tout d'abord, on va aller ici, car maintenant il y a le niveau de Sparks qui a été débloqué. Donc on va y aller de suite. Juste avant que tu aies botté le gros derrière moche de la sorcière, elle a construit une usine d'insectes robots pour attaquer Sparks. Mais je ne crois pas qu'il soit de taille contre lui. Mais il va y aller tout de suite. Allez, c'est parti pour le dernier niveau de Sparks. Allons-y, d'ailleurs j'ai même pas vu le nom. On va le voir tout de suite. C'est quoi le nom déjà? C'est... Ah oui, l'usine Insector, c'est ça. Allez, c'est parti. Voilà, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Voilà, alors là nous avons un insecte avec une clé, donc il faut tout simplement le rattraper. Pour qu'il nous donne la clé. Voilà. Maintenant que j'ai la clé, on peut ouvrir ça. Attention les coccinelles. Voilà. Voilà d'autres. Voilà, et vous voyez, c'est ce robot voilà, qui font apparaître ces coccinelles. Attention ici. Voilà, c'est la même chose. Voilà, très bien. Allez, toi viens là. Oh, viens ici. Je voulais pas bouffer le papillon, mais c'est pas grave. Voilà, on a eu la clé, donc on peut ouvrir ça. Alors là, attention à lui, là. Il nous balance des boules de feu. Ok, c'est bon. Alors ici. Voilà, très bien. Alors là, nous avons un papillon qui va nous rendre invincible. Allez, c'est parti. On fonce. On récupère la clé très vite. On va pas perdre trop de temps. Oh non! Mais, oh non, mais sérieux, putain. Je suis invincible, il me narque, quoi. Voilà, c'est bon. Alors, par contre, je sais plus qu'est-ce qu'il ouvre. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est celle-là? Non plus. Putain, mais j'ai pas de bol. C'est celle-là alors, ouais. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, celui-là, il nous ça. Ouais, nickel. Oula. Ah, attention, voilà, parce que là. Sinon, ce que vous pouvez faire. La clé, je veux la clé. Donne-moi la clé. Allez, donne-moi la clé. Voilà, très bien. On va se débarrasser de ces deux-là. En fait, voilà, ils ont un point de repop. Enfin, ils ont pas un point de repop, mais. Il repop juste un certain nombre de coccinelles. Aïe. Aïe. Pas grave, il y a un papillon juste là. Voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de tuer toutes les coccinelles, ça ne sert à rien. On va se débarrasser de ceux qui sont importants. Allez, voilà. Aïe, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On va se débarrasser des coccinelles là déjà. Allez, tout le monde dégage, voilà. Ok, c'est très bien. Alors ensuite, c'est en bas que ça se passe. D'ailleurs, est-ce que j'ai récupéré tous les joyaux? J'ai un doute. Non, voilà. Il manquait ces deux-là. On passe ici. Voilà, tout le monde dégage. Aïe. Oh non, mais je fais n'importe quoi là. J'ai crevé. Non, c'est bon. Oh, mais sérieux? Mais tu vas le tuer lui là-haut là? Voilà, merci. Punaise. Ok. Bon, par contre, j'ai plus de vie. On est dans la merde. Putain, j'ai quand même pas crevé quoi. On va peut-être déconner là. Un de moins. Et deux de moins. Allez, débarrasse-toi de lui là-bas. Allez. Voilà, merci. On reprend un peu de vie.
et on enchaîne. Et tu fais la même chose avec lui. Voilà, très bien. Viens ici, toi. Et ici. Sinon, on peut lui tirer dessus aussi hein, pour qu'il perde la clé, voilà. Et comme ça, je peux la récupérer tranquillement. Donc ça, c'est bon. Donc, il n'y a plus que l'arène finale à faire. Elle se trouve juste ici. Et là, nous avons un boss. Aïe. Putain, bien joué. Oh là 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 là. Wow. Putain, mais je tenais même pas sur lui. Voilà, maintenant il se dédouble. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Waouh. Putain, je me fais encore toucher une fois, je suis mort. Hein. D'accord, l'autre est toujours vivant. C'est sans déconner. Waouh, attention quand même. Et je vais essayer de le battre avec un seul point de vie, même si ça va être très très dur, mais... Waouh. Allez, touche-le, nom de Dieu. Oh, tue-le. Voilà, c'est bon. Où est l'autre? Oh là, attention quand même. Waouh. Allez, vas-y. Bute-le. Ouais. Allez, Corin. Putain, si je me fais avoir là, putain, ça va être con. Allez, il est dead, là. Voilà, c'est bon. Et on libère Annabelle. Ok. On a l'œuf, mais on n'a pas tous les joyaux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, on n'a pas tous les joyaux, tiens. Bizarre. Qu'est-ce qui me manque? Ah, je crois savoir. Attendez. J'ai pas dû récupérer tous les joyaux d'une salle. Ouais, voilà. Et là, on est bon. Ok. 200 sur 200 joyaux. Usine à secteur, niveau terminé. Ok, on va pouvoir sortir de là. Voilà, nickel. Parfait. Donc en fait maintenant, bah vous l'avez vu, donc Sparks peut maintenant, on va dire, casser les pots et les vases. Bon là, je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il n'y a plus de pots ni de vases à casser. Mais en plus, en allant vers l'Atlas, donc pas ici, voilà, mais là, vous voyez, en appuyant sur le bouton carré, je peux me téléporter dans un niveau. Ce qui peut être très utile. Voilà, et d'ailleurs, vous voyez, on peut lire les points d'aptitude, donc c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, vu que je les ai tous. Donc pour la villa ensoleillée, donc il faut enflammer tous les arbres, bon ça vous l'avez vu. Et aussi le record de vitesse à la course skateboard, donc ça pareil, vous l'avez vu. Dans le niveau cratère en fusion, il faut placer les têtes des idoles Tiki. Alors ça, vous ne l'avez pas vu. Donc ça se passe en fait dans le niveau du sergent Bird. Et en fait, ben, quand il faut placer les têtes sur les corps, avant de le placer sur les corps, il faut placer... Il faut placer les têtes en fait au point de départ en fait. C'est là où se trouve l'idole qui nous explique la mission. Voilà. Ensuite, dans le même niveau, il faut supercharger le mur. Bon, ça, vous l'avez vu. Rivage au coquillage, il faut attraper le poulet. Donc ça, c'est vers la fin du niveau. Il faut attraper un poulet. Enfin, il faut foncer sur un poulet pour avoir ce point d'aptitude. Je crois que je vous l'avais montré. Dans le pic de glace, il faut planer vers le piédestal. Ça, je vous l'avais montré. C'est au niveau des deux voleurs. Dans les tours enchantées, il faut faire le record de vitesse à la course skateboard 2. Donc ça, je vous l'ai montré également. Dans le marais des revenants, il faut détruire toutes les indications de piranha, ça je vous avais montré aussi. Donc il faut détruire tous les panneaux avec un piranha dessus. La base du sergent Bird, il faut bombarder les marmottes. Donc oui, c'est des marmottes et pas des taupes, hein, comme j'avais dit dans le niveau adéquat. Dans l'hôtel de la glace, il faut battre le Yeti en deux rounds. Donc ça, c'est avec Bentley. Et pour avoir le deuxième œuf, il faut battre le Yeti en deux rounds seulement. Vaisseau perdu, record de vitesse en skateboard, ça je vous l'avais montré. Usine de feu d'artifice... Donc ça c'est la recharge agent 9, donc ça c'est dans le niveau de l'agent 9, il faut péter la caisse rouge au début du niveau, enfin au début de la mission, pardon excusez-moi. Dans la crête enchantée, les tours infernales, donc ça c'est la tour
qui se trouve... Enfin, je vous avais montré de toute façon, je vous conseille d'aller voir l'épisode. C'est la tour qui se trouve un peu dans le vide, là. Enfin bref, avec Spyro. Et il faut viser les fenêtres du temple. Donc ça, c'est la mission avec l'agent 9, où il faut péter les 4 fenêtres. Dans le poste de Bentley, il faut jeter la boîte de la falaise. Ça, je vous avais montré. Il faut mettre la boîte dans le vide. Ruine du désert, il faut détruire toutes les algues. Alors ça, je crois que je vous l'avais montré également. Tombeau hanté, il faut plonger dans le trou noir. Ça, je vous avais montré. Mine des dinosaures, frapper tous les hippocampes. Donc ça, c'était dans l'épisode précédent. Je vous avais expliqué, mais je vous l'avais pas montré. Donc là, je vous montre voilà, avec les points d'aptitude. Donc il faut bien tuer tous les hippocampes. Sachant que les hippocampes ne repopent pas. Donc si vous avez raté, on va dire, un ou deux hippocampes, c'est pas grave, vous pouvez y retourner. Et il n'en restera que un ou deux si vous n'avez buté que deux, par exemple. Ensuite, dans le même niveau, frapper le dinosaure secret. Ça, je vous l'avais montré. C'est un dinosaure un peu plus foncé. Et dans le labo d'agent 9, abattre tous les palmiers. Celui-là, je vous l'avais montré également. L'épilogue, je ne vais pas vous le montrer maintenant, évidemment. Vous vous en doutez. Je vous montrerai vers la fin. Alors, on va aller ici. Car ici, il y a Zoé qui nous attend et qui va nous expliquer tout ça. Ce portail a été fermé à l'aide de la magie la plus puissante que j'ai jamais vue. Tu auras besoin de tous les œufs de dragon et de tous les joyaux de chaque monde pour pouvoir l'ouvrir. Et oui, car il faut 149 œufs et 15 000 joyaux pour ouvrir cette porte. Et donc là, vous voyez, il y a Grosso qui nous attend. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, on ne sait pas, on va lui parler tout de suite. Ne t'inquiète pas, Spyro, je ne te demanderai plus d'argent. Eh ben, c'est bien. Alors, ne sois pas si surpris. J'ai trouvé un des œufs de dragon et je vais le vendre pour une fortune à Avalar. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il faut que je mette des voiles. Salut! Mais t'as un œuf sur toi et tu vas me le donner tout de suite, gros sou. Voilà, et d'ailleurs, en le frappant, voilà, il nous donne en fait tous les joyaux qu'il nous a piqués durant l'aventure. Et là, c'est la vengeance, là. Ah, tu nous as pris trop d'argent, toi. Ouais, ouais. Ah, là, c'est le défoulement, là. Avec tout ce qu'il nous a piqué dans Spyro 2 et Spyro 3, c'est bon, là, c'est... C'est le soulagement. Et le défoulement, surtout. Sapristi. Non. Je ne savais pas que le dragon était si habile. J'ai compris. Je laisse tomber. Je retourne au marais des revenants pour devenir poète haïku. Ouais, c'est mieux pour toi, Grosso. C'est mieux pour toi. Et on libère Al. Ouais, allez, c'est ça, ouais, casse-toi. Sacré gros sou, quoi. Et donc là, on est bon, normalement. On doit avoir les 15 000 joyaux, on va attendre le compteur. Et on va aller juste ici. Puisque normalement, ça va être débloqué très vite. Voilà, ça a été débloqué. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Donc prochain épisode, ce sera certainement le dernier. On fera donc le niveau de la super tour bonus. Donc j'attends que le compteur s'arrête là. Et voilà, donc on a bien les 15 000 joyaux et les 149 œufs, voilà, qui permettent de débloquer donc ce niveau de la super tour bonus. Voilà, donc prochain épisode, donc on fera la super tour bonus et puis ben, ce sera la fin du SP de Spyro 3. Voilà. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette 18e partie sur l'SP de Spyro 3 Year of the Dragon. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis... À la prochaine tout le monde!